des sirènes de police, des élèves qui se cachent sous les tables de la cafétéria, une fille hystérique qui s'enfuit en hurlant, et tout se sent. Ça aurait pu être pire. Après tout, une suspension, c'est un peu comme des vacances avant le temps. Bien sûr, j'ai dû me rendre à l'école pour faire mes excuses à Madame la directrice devant les yeux horrifiés de ma mère. Si c'était de l'hypocrisie qu'elle voulait, elle a été servie. Je m'excuse, madame. J'étais fâché et mes paroles ont dépassé ma pensée. Facile. Tu m'inquiètes, que ma mère m'a dit un soir avant Noël. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Ma relation avec mes parents avait pris une sérieuse débâcle depuis un an. Je n'avais pratiquement aucun contact avec eux, à part pour les formalités de base. Viens manger, va te coucher. As-tu pris ta douche? As-tu passé une bonne journée? Tu vas pas sortir habillé de même. Parle-moi pas sur ce ton. Aux yeux de mon père, j'agissais enfin comme un adolescent de mon âge,